Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes dans les tribunes du stade Alfredo Di Stefano à Valdebebas dans la banlieue de Madrid. Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva, c'est pas Romario Bebeto, mais c'est pas mal quand même pour vous commenter ce match avec vous, donc pour vivre cette rencontre. On promet un beau spectacle si l'on regarde la feuille de match. Le climat autour de ce match est propice à vivre un grand moment. Et oui, le football, c'est notre richesse à tous. C'est notre plaisir depuis qu'on est enfant. Devant un match, on a tous un peu le même âge, n'est-ce pas? Jesús Navas. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste là, c'est sorti. C'est le grand jour pour lui parce que c'est une nouvelle aventure qui commence sous ses nouvelles couleurs. Et évidemment, il y a une grosse attente. L'équipe avait besoin de se renforcer devant. Il fallait apporter une nouvelle dynamique offensive. Son arrivée va permettre d'apporter de la créativité, de la technicité, de la mobilité dans la construction et dans les phases offensives. Est accordé parce que l'arbitre a vu la faute. Zubimendi, le tir lointain. Voilà, tranquille, aucun danger, ballon facile. Non, il est perdu ce ballon. Ah, la défense est battue. Bonne intervention, ballon dans les pieds. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Bien parti dans le dos. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Et ce corner est joué court. Le centre vers la surface de réparation. Ouais, très bon pressing. Et le ballon récupéré dans une zone dangereuse. Les deux équipes ont du mal à garder la balle. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Ouais, c'est le choix de la verticalité sur ce contre, mais ça se termine par un ballon perdu. Et oui, c'est dangereux. Et le ballon récupéré dans le dos de la défense. Et le ballon écarté de la zone dangereuse. Et ballon récupéré sur cette action. Oh, la frappe. Oh, la ballon dans la surface. Et la frappe passe très loin du but. La priorité, peu importe la distance, c'est cadré. Avila, il prend sa chance de loin. Le gardien qui s'interpose, quel réflexe!
corner. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. C'est raté. Au regard de la possession depuis 15 minutes, on voit que l'équipe locale a clairement pris les choses en main. Il y a de l'ambition dans les mouvements, le ballon circule bien. Ça devrait amener des situations pour faire la différence. C'est bien parti pour ce corner. Sans prendre de risque, la défense, le ballon est renvoyé. Ah, le bloc est reculé pour inviter l'adversaire à laisser des espaces. Ah, cette frappe lointaine ne surprend pas le gardien. Miyamina, la frappe de loin. Ah, le ballon est contré. Ouais, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Et c'est un ballon capté facilement. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Et nous aurons droit à 2 minutes de temps additionnel à jouer. Un peu de coaching avec ce changement. Milinkovic-Savic. Ludovic Blas. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Et voilà la reprise du match ici à l'Estadio Alfredo Di Stefano. Oh, tête la couille, l'arbitre fait signe de Pouti. Pouti, le réflexe, mais le ballon est repoussé. Le dégagement de Van Dijk. Cette parade est importante, ça rassure son équipe. Zubimendi. Jimmy Avila. Il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Et attention à cette frappe. Allez, superbe défense. Et ce corner, c'est l'occasion peut-être de prendre l'avantage. Le public s'est fait entendre avant ce corner, première occasion de prendre l'avantage depuis un moment. C'est un changement donc.
Et voilà, le ballon est récupéré par la défense. La frappe part plutôt bien. Et la main ferme pour envoyer le ballon par-dessus le but. Ce score de parité. Ça aurait pu être l'ouverture dès la boîte, mais on reste sur ce 0-0. Le corner. Et ce corner est dégagé par la défense. Et pourquoi pas de loin. Et sur ce tir, le gardien se contente d'accompagner du regard le ballon en sortie. C'est pas loin, mais c'est dehors. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Performance qui est loin d'être inoubliable lors de cette première période. C'est presque banal tout ça. C'est vraiment moyen pour l'instant, mais sa frustration. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Julien Villa. Et allez, un arrêt de plus dans ses stats. Oui, le score qui ne bouge pas, 0-0. Aucune des deux équipes a trouvé la faille pour l'instant. Corner. Le danger écarté provisoirement. Et le contre est possible maintenant. Place pour la réception. Et malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. On écarte le jeu pour créer un décalage sur l'aile. Le centre vers la surface. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Oh oui, ce but avec cette reprise de volée. Il y a tout, l'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. Parfois, je me demande comment les entraîneurs ne deviennent pas fous. Moi, je vois ça, je deviens fou. Tu as un ballon en défense et pour une raison mystérieuse, tu le rends. Et derrière, bien sûr, tu te fais punir. La deuxième mi-temps, mais ça y est, le premier but est enfin arrivé. Ah oui, c'est bien vu ça. Ouais, la passe interceptée au dernier moment, bien joué. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Il y a du soutien là pour attaquer. Excellente intervention. Julian Alvarez. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Bien placé pour une frappe peut-être. Et non, pas de but sur
cette très grosse occasion. Plus que quelques minutes, et attention à ne pas... De temps réglementaire à jouer et toujours ce fragile avantage d'un but. Il s'interpose là le gardien. Cette parade en fin des matchs leur laisse encore une petite marge pour revenir au score. Il n'y a plus beaucoup de temps, mais c'est possible. Mais c'est une remise en jeu à venir. Et nous jouerons donc 3 minutes en plus selon l'arbitre. Il ne reste plus beaucoup de temps à jouer. L'équipe se rue maintenant en attaque pour essayer d'égaliser. Un centre dans la surface. En bonne position pour tirer. Oh, le ballon là qui est repoussé. Ah, le temps passe et ce corner c'est peut-être une occasion de but. Le point de pénalty, quelle intervention, elle est hyper importante. Et ce corner est dégagé. C'est donc terminé, le coup de sifflet final dans cette rencontre et ça se finit donc avec une victoire à la mine. Oui, une victoire qui se joue à un petit but d'écart, autant dire à pas grand chose. Bien parti dans le dos. Ballon dans la surface. Et la frappe passe très loin du but. La priorité. Jimmy. Jimmy Abila. Cornea. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de... La frappe part plutôt bien. Oh, la frappe. Et pourquoi pas de loin.
Et sur ce tir, le gardien... Jimmy Abila. Ah, bien placé pour une frappe, peut-être. Et non, un centre dans la surface. Un centre dans la surface.